Nous avons aujourd'hui besoin de renforts en ressources humaines que nous évaluons à 200 infirmiers, 200 aides-soignants pour venir nous aider à la prise en charge des patients atteints du Covid aujourd'hui. On connaît une explosion des cas en réa depuis maintenant un mois en fait. Et petit à petit, on a augmenté nos capacités de réanimation avec des modules qu'on ouvre au fur et à mesure. Donc là, on a 40 patients qui sont dans nos lits de réa et on vient d'ouvrir un module supplémentaire à l'étage où pour l'instant, on a 6 patients en plus. Il faut blâmer quand même les mauvaises informations autour de ça avec des discours complètement délirants autour du vaccin. Enfin, je veux dire, les chiffres sont indiscutables. 95% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Voilà. Bah, humainement, c'est difficile parce qu'on voit des gens mourir, que la crise, elle dure. Hein. Ça évolue déjà depuis mars 2020 pour chez nous. On a connu une vague précédente qui était beaucoup plus calme. Là, c'est pas une colline, c'est vraiment un mur.